Alors une question qui m'a souvent été posée, c'est comment fait-on lorsqu'on veut rendre un travail sur Pronote et que notre travail, on a pris en photo notre copie, puis il a fallu deux fichiers, sachant que sur Pronote, on peut rendre un seul fichier. Alors la solution, c'est de, à partir de ces deux fichiers, d'en faire un seul tout simplement. Alors une solution consiste à aller sur un site qui s'appelle I Love PDF. Ok, c'est pour les amoureux de PDF. Donc, vous allez voir que l'outil est très simple à utiliser. C'est un site qui permet de faire plein de choses sur les PDF. En particulier, convertir des photos en PDF. Donc, on clique. On nous demande de sélectionner les images JPG ou de les déposer ici. Donc, ou bien vous cliquez ici ou bien vous les déposez correctement. Moi, j'avoue que j'aime bien les déposer directement. Mais si vous cliquez, ça sera pareil. Donc, je les prends. Et zoup. Voilà. Donc voilà mes deux fichiers hein, qui sont en deux images. Après vous pouvez sélectionner si vous voulez des marges ou pas, enfin peu importe. On s'en fiche un peu, à vrai dire. Voilà. J'ai pris des grandes marges. Et puis on me dit convertir en PDF. Donc je clique. Et voilà, c'est en train de convertir en PDF. Donc ça prend un peu de temps. Plus votre appareil photo a une qualité importante, hein, plus c'est long, évidemment. Donc on patiente ensemble. Voilà, c'est en train de terminer. Donc en fait, j'utilise I Love PDF, mais vous savez qu'il y a d'autres sites, hein, il y a PDF Converter. En fait, tous ces sites sont des sites gratuits, mais qui sont limités, hein. Si vous les utilisez trop, ben voilà, au bout d'un moment, on vous demande de payer. Voilà. Le mieux, c'est de patienter dans ces cas-là. Voilà, donc on arrive au bout. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Téléchargement terminé, conversion des images en PDF, ça y est. Donc là, télécharger le PDF, mais je crois que ça va se faire automatiquement. Voilà, vous voyez, le fichier est téléchargé, donc je vais le retrouver dans mes téléchargements. Et là, si je double-clique sur ce fichier, j'ai bien mes deux pages. D'accord? Il y a un et deux pages. Voilà. Donc, je ferme. C'était juste pour vérifier. Voilà comment on peut, à partir de deux fichiers images, en faire un seul PDF.